Nous arrivons à Pékin le mardi 19 mai à 11h du matin, après 10 heures de vol. Il fait très chaud, 35 degrés. Pékin, ou Beijing en chinois, est la capitale de la Chine peuplée de 17 millions d'habitants. Après un petit passage à notre hôtel, nous partons pour la cité interdite. La cité interdite était le siège du gouvernement et la résidence des empereurs. Elle comprend deux ensembles architecturaux, chacun composé de trois pavillons situés sur l'axe central sud-nord, selon la cosmologie chinoise. Une douve large de 52 mètres contourne la muraille d'enceinte de 10 mètres de haut, 960 mètres de long et 750 mètres de large. Seul l'empereur, sa famille et les personnes attachées à son service avaient le droit d'y pénétrer. Nous entrons dans la cité, côté nord, par la porte du génie militaire. Les portes monumentales peintes en rouge sont garnies de 9 rangées de 9 clous dorés. Le chiffre 9, le plus élevé, était réservé à l'empereur. De 1420 à 1911, durant 491 ans, la cité interdite a été la résidence principale de 24 empereurs, des Min et des Qing. La construction fut ordonnée par Yongle, troisième empereur Ming. Elle s'étend sur un rectangle de plus de 72 hectares et se compose de plusieurs pavillons répartis autour des cours nord et sud. Au nord se trouvait la partie privée, qui servait aussi bien de cabinet de travail à l'empereur que d'appartement à la famille impériale et aux concubines. Elle comprend surtout le palais de la pureté céleste, la salle de l'union et le palais de la tranquillité terrestre. Dans la journée, 8 à 10 000 personnes vivaient dans la cité interdite. Des animaux veillent et protègent la cité interdite. La tortue, carrée à la base et ronde par sa carapace, symbolise l'univers. La grue est signe de longévité et d'immortalité. Un couple de lions garde les issues. La femelle, une patte sur son lionceau, suggère la continuité. Le mâle, une patte appuyée sur une boule, évoque le pouvoir et le prestige. Les palais en bois sont érigés sur une plateforme en marbre. On y accède par deux escaliers séparés par une dalle sculptée en bas-relief, dans un seul bloc de marbre sur lequel 9 dragons volent dans les nuages. L'empereur était transporté en palanquin au-dessus de cette représentation du paradis. Synonyme de fertilité et de bon augure, le dragon à 5 griffes est le symbole de l'empereur. L'emblème de l'impératrice est un oiseau mythique, le phénix, qui n'apparaît qu'en période de paix et de prospérité. Au sud se trouvait la partie officielle de la cité, où le souverain recevait ses ministres et présidait les grandes cérémonies officielles. Elle comprend notamment la salle de l'harmonie suprême, la salle de l'harmonie parfaite et la salle de l'harmonie préservée. Sur les terrasses du palais, des jarres en bronze servaient autrefois de citernes d'eau pour éteindre les incendies. Plusieurs salles conservent un trône. La salle de l'harmonie préservée
servait sous la dynastie Qing pour les banquets. Dans la salle de l'harmonie centrale, l'empereur se reposait avant les cérémonies. Les angles des toits sont ornés de sculptures en terre cuite, figurant des animaux mythiques, servant à protéger le palais contre les mauvais esprits. La cité interdite est orientée sud-nord puisque l'empereur devait se protéger des influences néfastes venant du nord, alors que le sud apportait chaleur et bienfaits. La couleur de l'empereur est le jaune. On le trouve sur les toitures et les vêtements. Les murs sont peints en rouge, symbole du sud, mais également signe de joie et de fête. La cité interdite est parcourue d'ouest en est par une rivière artificielle appelée la rivière aux eaux d'or. Pékin a été la capitale de la Chine depuis 1264. Elle a eu plusieurs noms au cours des siècles et selon les dynasties dirigeantes. Les Ming l'ont appelée Beiping, paix du Nord. En 1409, l'empereur Yongle l'appelle Beijing, capitale du Nord. Nous sortons de la cité interdite au sud par la porte de la paix céleste. Sur le fronton est accroché le portrait de Mao Zedong. Elle donne accès à la place Tiananmen ou place de la porte de la paix céleste. Cette immense place rectangulaire de 800 mètres sur 500, soit 40 hectares, est le lieu où se déroulent toutes les manifestations officielles de la République populaire de Chine. Au centre de la place s'élève le monument aux héros du peuple, obélisque de 38 mètres de haut. À l'ouest, le palais de l'Assemblée du peuple, où se réunit l'Assemblée législative. À l'est, le mausolée de Mao Zedong, est un bâtiment rectangulaire entouré de longs bas-reliefs représentant des combattants de la Révolution. Plus grande place du monde, elle peut accueillir plus d'un million de personnes. Nous quittons la place par la porte Zhengyang. La langue officielle chinoise est le mandarin. Plusieurs autres langues sont parlées, toutes basées sur l'intonation. Une syllabe peut être prononcée sur 4 ou 5 tons. Chaque ton change le sens du mot. Le chinois est très difficile à maîtriser pour un francophone. Le mercredi 20 mai, nous roulons sur les boulevards de Pékin, souvent à 4 voies. 7 périphériques entourent la ville. 60 000 taxis circulent à Pékin, qui s'étend sur 16 800 km². L'avenue de la paix éternelle est longue de 40 km. Les vélos ne sont pas oubliés. Des pistes cyclables longent les rues. Notre guide Jade nous amène voir des ateliers où se pratique l'art des émaux cloisonnés. Importée de Byzance, la technique des émaux cloisonnés a été introduite et développée en Chine au début du XVe siècle. Elle consiste à poser des cloisons sur une pièce en cuivre pour former des alvéoles où sont appliqués les émaux. L'artisan donne d'abord la forme désirée à une plaque de cuivre
pour former le fond. Sur cette forme, il pose avec une pincette des fils ou des bandes de cuivre. C'est le cloisonnage qui constitue les traits du dessin. Les fils et bandes adhèrent au fond grâce à une colle à base de racines de plantes. Une pâte d'émail de couleurs diverses est posée entre les cloisons au moyen d'une pipette. Plusieurs cuissons sont nécessaires, tous les colorants n'ayant pas le même point de fusion. Plusieurs couches de colorants sont appliquées pour obtenir l'effet désiré. Les couleurs tendent à retrouver les nuances des pierres fines. Les objets passent dans un four chauffé entre 600 et 850 degrés selon la couleur. Les fils de cuivre se soudent alors avec le fond. L'ouvrage est ensuite poli avec une pierre meulière et du charbon de bois. Le polissage amène l'arasement de l'émail et des cloisons. Les premiers cloisonnés chinois sous les Ming sont issus des commandes impériales pour le culte tibétain. Par la suite, ils sont principalement destinés aux temples et à la cour impériale. Au XVIIIe siècle, la technique s'affine. C'est l'âge d'or des cloisonnés. La profusion des décors associés au règne végétal et animal reflète l'univers symbolique du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Le dragon représente l'empereur, le phénix l'impératrice, le lotus incarne la pureté, l'éléphant la paix. Les cloisonnés de cette période sont très recherchés par les collectionneurs. Nous allons à la Grande Muraille à Mutiyanu, à environ 90 km de Pékin. La Grande Muraille est la structure architecturale la plus grande construite par l'homme en termes de longueur, surface et masse. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès la montée en téléphérique, nous apercevons les hautes murailles crénelées de 6 à 9 mètres de haut et 5 à 7 mètres de large. La Grande Muraille part de la frontière avec la côte au nord de Beijing et va jusqu'au désert de Gobi. Sa longueur totale serait de 8 851 km, dont 360 km de tranchées et 2 200 km de barrières naturelles. Sa construction avait commencé dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. La Chine était alors morcelée en royaumes qui s'affrontaient entre eux et devaient se protéger des incursions de peuples barbares venant du nord. Tous ces royaumes construisaient séparément des tronçons de murailles. En 220 avant Jésus-Christ, des sections de fortifications antérieures ont été reliées pour former un système de défense unifié. La muraille que l'on peut apprécier aujourd'hui a essentiellement été construite sous la dynastie des Ming entre le 14e et le 16e siècle. Sa construction s'est poursuivie pendant près de 2000 ans. Elle nécessita une quantité de main-d'œuvre immense qui travaillait jusqu'à l'épuisement. Le bilan est estimé à 10 millions de morts. Son tracé et les matériaux utilisés s'adaptent au relief rencontré.
Ainsi, selon l'âge et la position de la muraille, elle peut être en terre damée, en pierre ou en brique. Dans les plaines et les passages stratégiques, les murs étaient très hauts et solides, alors qu'ils étaient bas et étroits dans les montagnes élevées et abruptes. Dans les lieux escarpés, les crêtes de montagnes tenaient lieu de murs. Des tours de guet permettaient de surveiller de loin d'éventuels ennemis et de prévenir les villes des attaques en émettant des signaux de fumée. 1 million de soldats protégeaient la muraille. Le système défensif de la Grande Muraille n'a jamais vraiment fonctionné, les envahisseurs passant l'enceinte sans difficulté. Nous quittons la grande muraille si impressionnante pour aller au restaurant déguster un repas typiquement chinois constitué de 10 à 12 plats variés de légumes, poissons, viande de porc, bœuf ou poulet. Nous avons très bien mangé en Chine malgré notre maladresse avec les baguettes. Nous partons ensuite au temple des lamas, appelé Yonggegong, qui signifie « palais de l'harmonie éternelle ». Construit en 1694, c'est l'ancien palais de l'empereur Yongzheng, offert aux moines tibétains en 1732. Le temple des lamas est un lieu de prière et de méditation. Des moines y vivent encore. Il se compose de 5 temples qui se succèdent, que l'on traverse et qui sont séparés par de petites cours. Chaque bâtiment abrite des représentations différentes de Bouddha. Bouddha en bois doré, Bouddha en bronze, représentant le passé, le présent et le futur, et 2 Bouddhas femmes. Le pavillon des 10 000 bonheurs présente une statue de Bouddha de 18 mètres de haut, sculptée dans un tronc de santal blanc. De nombreux croyants viennent faire des offrandes et brûler de l'encens. Le bouddhisme est l'un des 3 principaux courants idéologiques et spirituels de Chine, avec le confucianisme et le taoïsme. Cette philosophie est apparue en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ et a été introduite en Chine au 1er siècle. La doctrine de Bouddha repose sur l'idée que la souffrance est inséparable de l'existence. Elle recommande la méditation pure, le savoir, la vérité et le bien. Faire tourner un moulin à prière a la même valeur spirituelle que de réciter la prière du mantra. La prière étant censée se répandre dans les airs, comme si elle était prononcée. Les moulins sont mis en mouvement avec la main droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, afin que le mantra soit lu dans le sens où il a été écrit. En sortant du temple des lamas, nous traversons une rue animée, pour aller au temple de Confucius, il faut se faufiler entre les vélos et les voitures qui ne ralentissent pas. Bâti en 1302 sous le règne de l'empereur Shenzong de la dynastie Huang, le temple de Confucius est considéré comme le 2e temple le plus important en Chine.
Une statue de Confucius est placée au milieu de la cour des grands succès, devant le principal bâtiment du site qui accueille des cérémonies en l'honneur de Confucius. Maître Kong, ou Kongzi, était un philosophe chinois né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a donné naissance à une doctrine appelée confucianisme, basée sur le respect des ancêtres. Les temples en hommage à Confucius étaient des lieux de culte et des écoles pour les enfants. Une partie du temple abrite le collège impérial, construit en 1306. Des instruments de musique assez rares sont exposés dans une salle, le guzheng, instrument à cordes pincées, des cloches chinoises et des flûtes. Des jeunes filles nous font écouter quelques instruments anciens. Dans la rue, nous rencontrons des joueurs de mahjong très absorbés avant d'aller dans une maison de thé. En Chine, le thé représente une véritable institution sociale et culinaire. La Chine, c'est le pays natal du thé. Nous avons 6 sortes de thé. Il y a du thé oolong, du thé vert, du thé rouge, du thé blanc, du thé jaune, et du thé au jasmin. Aujourd'hui, la première sorte de thé qu'on va boire, on va déguster, c'est du thé oolong mélangé, la racine de ginseng, la poudre de racine de ginseng. Il faut choisir une théière de fond. Voilà, pour bien préparer le thé, il faut chauffer d'abord la théière. Pour 4-5 personnes. Mais aujourd'hui, on va faire un peu de sainte. Et plus de thé. Et comme ça, ça fait moins attendre. Ça fait attendre beaucoup moins. Ce serait un sacrilège pour tout Chinois de jeter les feuilles au bout d'une infusion. On peut successivement rajouter au moins 3 fois de l'eau à 85 degrés. Il faut laisser infuser 5 minutes maximum. Tout à l'heure, on a déjà dégusté du thé au jasmin, mais ça c'est aussi du thé au jasmin. Évidemment, j'ai pas fini. Pour le repas du soir, nous allons déguster du canard laqué à la pékinoise. C'est un plat mythique qui remonte à la dynastie des Ming, il y a 600 ans. Pour le plat, il faut un canard blanc, vivant en liberté, et engraissé par gavage avec du maïs pendant 65 jours. Il pèse de 2 à 3 kilos. Le jeudi 21 mai, nous allons visiter le Temple du Ciel, fondé par Yongle, dynastie Ming, au 15e siècle. Cet ensemble majestueux de bâtiments dédiés au culte, entouré de jardins couvrant une superficie de 270 hectares, est le plus grand temple-hôtel de Chine. Les parcs sont de véritables refuges au sein des grandes villes chinoises. Ils sont toujours très joyeux et très fréquentés. Le matin, des Chinois viennent s'adonner au tai chi dans ces espaces publics.
Deux fois par an, l'empereur quittait la cité interdite pour se rendre à Tiantang, temple du ciel. Une fois sur place, il jeûnait dans le temple de l'abstinence. Puis l'empereur se rendait à la salle des prières pour y remercier le ciel pour les bonnes récoltes ou pour prier afin que les prochaines soient bonnes. C'est sur l'autel du temple que l'empereur procédait aux sacrifices rituels destinés à obtenir les bonnes faveurs du ciel. Le temple du ciel est construit de manière très symbolique. L'enceinte est carrée au sud et circulaire au nord, symbolisant la terre, carrée selon les Chinois, et le ciel rond. Au cours des cérémonies, l'empereur progressait toujours de la terre vers le ciel. La salle des prières, de 32 mètres de diamètre et d'une hauteur de 38 mètres, est l'édifice le plus remarquable du complexe. Au milieu d'une cour carrée, elle s'élève sur une terrasse circulaire à trois gradins en marbre, entourée de 360 colonnes représentant les 360 jours de l'année lunaire. Le chiffre 9 se retrouve dans la conception du temple. Nombre de marches, de dalles sur le sol des temples, le 9 symbolisant le yang, la force et la puissance, mais aussi l'empereur. Nous traversons le parc du temple, où des Chinois se retrouvent pour pratiquer des activités telles que des jeux de société comme le mahjong, les échecs, les cartes, ou pour jouer de la musique, chanter, faire de la gymnastique et danser sur des musiques traditionnelles ou modernes. La visite suivante est pour l'école de l'Opéra de Pékin. Il remonte à la fin du XVIIIe siècle. C'est une synthèse de musique, de danse, d'acrobatie et de théâtre. Les pièces de théâtre sont pour la plupart tirées de romans historiques ou d'histoires traditionnelles racontant des luttes politiques et militaires. Les maquillages traditionnels, proches du masque, et les costumes élaborés permettent à un public bien informé d'identifier sans hésiter les personnages. Les couleurs symbolisent un trait de personnalité et font également référence aux divinités religieuses. Thank you.
Les comédiens incarnent des personnages du monde héroïque, divin et animal, souvent mis en scène dans des exploits guerriers. Chaque élève a un professeur qui lui fait répéter un mouvement, une acrobatie ou un morceau de musique. Nous allons dans un magasin où une jeune fille nous explique la culture des perles d'eau douce. Donc, quand vous avez vu le film pour la perle d'eau douce, on a blanche, rose, pourpre et noire aussi. Et noire, c'est rare, c'est très rare. Alors, pour savoir l'âge de l'huître, il faut compter les styles dessus. C'est comme les arbres. Complètement. Oui, et l'âge de l'huître est très important. Plus les huîtres sont âgées, les perles sont plus grosses, plus rondes aussi. Donc au minimum, on doit attendre plus que 15 ans. On peut trouver des perles qui sont assez rondes, assez jolies pour faire un bijou précieux. Sinon, les perles sont toujours petites, enfermées, irrégulières. Mais ça ne prend pas de valeur. On obtient des perles d'eau douce en plaçant un petit morceau de tissu dans des huîtres. Procédé qui favorise la sécrétion de nacre. Pour se protéger de ce corps étranger, l'huître sécrète plusieurs couches de nacre qui formeront peu à peu une perle. Ce processus peut être réalisé jusqu'à 25 fois par mollusque, produisant ainsi jusqu'à 50 perles à la fois. Nous allons déjeuner au restaurant du Palais d'été, où nous sommes servis par de jolies jeunes filles en costume de la période impériale. Le palais d'été, situé à 15 km au nord-ouest de Pékin, était le lieu de villégiature de l'empereur et de sa famille. Le palais s'étend sur 294 hectares. Il s'articule autour de l'immense lac Kunming et de la colline de la longévité. Sur la rive ouest du lac, un étonnant bateau de marbre semble flotter sur l'eau. Il est appelé le bateau de la clarté et du confort. Le palais, commencé au XIIe siècle, est sans cesse embelli et agrandi. Mais une grande partie du palais d'été est détruite par les troupes franco-anglaises en 1860. C'est l'impératrice douairière Cixi qui prend l'initiative de sa reconstruction en 1888. Elle grève pour cela le budget initialement attribué à la construction navale. En bas de la colline de la longévité, une longue galerie borde le lac sur 728 mètres. Lorsque l'empereur Qianlong ordonna la construction de ce superbe édifice en 1755, il envoya les artistes à Hangzhou afin qu'ils peignent les paysages et les scènes de la vie quotidienne. À leur retour, ils ornèrent la galerie de 546 tableaux. En face de la longue galerie, le pont aux 17 arches possède des parapets ornés de 544 lions sculptés, adoptant des postures différentes. Le palais d'été était le reflet du goût artistique des Chinois. Jardins, canaux, ponts et constructions se fondaient harmonieusement autour du lac Kunming de 210 hectares. Nous partons visiter le stade olympique de Pékin, surnommé le nid d'oiseau pour son architecture, construit pour les Jeux olympiques d'été de 2008. Le gouvernement chinois avait invité des architectes du monde entier à participer à un concours de design pour la conception du stade olympique.
le projet du nid d'oiseau des Suisses Herzog et de Meuron a été retenu. L'architecte chinois He Weiwei était le conseiller artistique. Le stade est en béton recouvert d'acier. Ses dimensions sont gigantesques. 333 mètres de long, 294 mètres de large et 69 mètres de haut. Il occupe une surface de 258 000 m² et 42 000 tonnes d'acier ont été nécessaires à son édification. Le tout pour un coût de 325 millions d'euros. L'enceinte offre une capacité d'accueil de 80 000 places. Nous voici au zoo de Pékin pour voir les pandas géants, animaux vedettes du zoo. Les pandas sont dans des enclos vitrés, occupés à grignoter une branche de bambou ou à dormir. Ils pèsent de 80 à 125 kg. Ils mangent 20 kg de bambou par jour. Environ 600 pandas géants vivent dans le centre de la Chine, dans les régions montagneuses du Sichuan et du Tibet, entre 1800 et 3400 mètres d'altitude. Cette espèce menacée figure sur la liste des espèces protégées et fait l'objet d'un important programme d'élevage en captivité en Chine. Nous sommes à la gare ouest de Pékin pour prendre un train couchette pour nous rendre à Xi'an. Nous passons très vite dans la gare récente et spacieuse. Nous embarquons et découvrons nos compartiments. Ils sont fermés par une porte et comprennent 4 couchettes molles. Il existe des couchettes dures, 6 par compartiment, fermées par un rideau. Le train part à l'heure, à 21h30, pour 1200 km sans arrêt. Le lendemain matin, vendredi 22 mai, le temps est brumeux et humide. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Oui. Vous restez ici? Nous arrivons à Xi'an à 8h30. Xi'an, 4 millions d'habitants, est la capitale de la province du Shaanxi. La cité a plus de 3000 ans d'histoire. Elle fut successivement la capitale de la dynastie Qin, des Han et des Tang. Nous arrivons à la grande pagode de l'oie sauvage. Cette pagode fut érigée par l'empereur des Tang, Gaozong, en 652. Elle servit à abriter et protéger des écritures bouddhistes collectée en Inde par le moine Xuanzang. À l'origine, elle avait 5 niveaux. Elle fut restaurée et surélevée de 2 niveaux en 705 pour atteindre 7 étages de 64 mètres de haut. La pagode de l'oie sauvage est située dans l'enceinte du temple de la Grande Grâce Maternelle. Elle demeure un lieu saint pour de nombreux bouddhistes. Elle conserve des représentations de Bouddha. L'un d'entre eux possède notamment un troisième œil qui symbolise la capacité du Bouddha à voir ce que le commun des mortels ne peut voir. D'agréables jardins entourent la pagode de l'oie sauvage. Le nom de la pagode vient d'une légende qui raconte qu'un jeune moine, encore enfant, avait un jour très faim alors qu'il n'y avait pas de nourriture. C'est à ce moment qu'une oie est tombée du ciel comme pour exaucer son souhait. Nous partons ensuite au site le plus extraordinaire de Xi'an, le mausolée de l'empereur Qin, célèbre pour son armée de terre cuite, composée de 6000 guerriers et chevaux grandeur nature, vieille de 2000 ans.
Elle ne fut découverte qu'en 1974 par des paysans alors qu'ils construisaient un puits. Cette armée, destinée à garder le tombeau de l'empereur Qin, premier empereur à avoir unifié la Chine, aurait été réalisée sous ses ordres. Cet ouvrage gigantesque a demandé le travail de 720 000 personnes pendant 35 ans. L'armée enterrée est composée de statues aux visages différents, mesurant de 1,80 m à 2 m de haut. Elle comprend des soldats en armure, des chevaux et aussi des chars. Même si beaucoup de statues ont été abîmées par le temps ou saccagées par des pilleurs, une grande partie a été fidèlement restaurée. À l'origine, les statues étaient polychromes, mais les couleurs se sont effacées au contact de l'air. Le site comprend trois différentes fosses. La plus grande rassemble 1000 statues tournées vers l'est, essentiellement des soldats et quelques officiers. Une partie de la fosse est réservée aux statues en cours de restauration. Une autre fosse, moins éclairée, n'a pas été encore complètement fouillée. L'empereur Qin mit fin à la période féodale en conquérant les royaumes combattants et devint l'unificateur de l'Empire de Chine en 221 avant Jésus-Christ. Il standardisa l'écriture, la langue, la monnaie, les poids et les mesures, et il est vu comme le père de la Grande Muraille de Chine. La dernière fosse montre l'état du site avant les fouilles et laisse apparaître quelques statues endommagées et des ossements humains. L'empereur Qin est surtout connu pour le caractère cruel et autoritaire de son règne. Sa tombe, recouverte d'un tumulus, située à environ 1,5 km à l'ouest, n'a pas encore été fouillée par les archéologues. Une tradition orale raconte qu'elle renferme des trésors fabuleux défendus par des mécanismes complexes pour se protéger des pillards et que les ouvriers ayant participé aux travaux furent emmurés vivants pour ne pas révéler leurs secrets. Dans le musée sont exposés des chariots en bronze, modèles réduits, tirés par des chevaux. Au loin, la montagne céleste culmine à 2200 mètres d'altitude. Elle est située à 120 km de Xi'an, très fréquentée par les Chinois, car c'est l'une des cinq montagnes sacrées de Chine. Nous quittons le site. Dans le car, notre guide Caroline nous chantera une chanson. Nous voici à l'école de calligraphie. L'écriture de la langue chinoise se compose de milliers de caractères. Chaque caractère est constitué d'un seul trait ou de plusieurs traits élémentaires. Il s'inscrit dans un carré ou un rectangle d'égale grandeur, imaginaire ou tracé sur le papier. De plus, il doit être centré au milieu de cette figure géométrique. L'ordre des traits est rigoureux. D'abord les traits horizontaux, de gauche à droite, ensuite les traits verticaux, de haut en bas. L'art de la calligraphie est pratiqué avec le pinceau de bambou et l'encre de Chine. En Chine, il n'y a pas d'alphabet. Les unités de base qui composent chaque caractère sont ce que l'on appelle des clés. On en dénombre 214. Un caractère chinois représente une syllabe pourvue d'une idée.
Le nombre des caractères s'élève aujourd'hui à plus de 50 000. Cependant, l'usage courant exige seulement la connaissance de 5 000 à 8 000 caractères. Le soir, dans un théâtre transformé en restaurant, accompagné musicalement par une jeune fille jouant du guzheng, nous avons dégusté un repas de 15 différentes sortes de délicieux raviolis chinois. Nous avons admiré un spectacle de chant et danse traditionnel de la dynastie des Tang.
Le samedi 23 mai, nous partons vers les remparts, datant de 600 ans, qui entourent la ville de Xi'an. Le matin, dans un parc au pied des remparts, des centaines d'habitants, parfois très âgés, se retrouvent pour entretenir leur forme. Pris d'assaut, ces lieux allient sport, détente et sociabilité. Des aires de jeu contenant chacune une vingtaine de machines simples, mécaniques, pour un entraînement complet, permettent de rester en bonne santé. D'autres préfèrent pratiquer la calligraphie ou des sports collectifs et de la danse. Les Chinois promènent leurs oiseaux en cage. Nous visitons des ateliers de jade. Pour les Chinois, le jade de première classe est plus précieux que l'or et le diamant. Il symbolise la beauté, la pureté et la noblesse. La préciosité de la pierre de jade tient à sa couleur naturelle et à sa nuance. On en trouve des blanches comme neige, des rouges très brillantes et des vertes particulièrement belles. La valeur d'une œuvre sculptée dépend aussi bien de l'habileté de l'artisan que de la qualité de la pierre. Même si de nos jours le travail s'est mécanisé, les sculpteurs de jade restent des artistes. En longeant les remparts, nous allons à la mosquée de Xi'an. Construite sous les Tang en 742, la grande mosquée, centre de la vie spirituelle des musulmans de Xi'an, est située un peu en retrait d'une artère importante. L'architecture de la grande mosquée présente clairement des traits à la fois chinois et islamiques. L'islam a fait son entrée en Chine par la route de la soie et par les voies commerciales maritimes que fréquentaient les Arabes. Il reste 20 millions de musulmans en Chine. La mosquée s'organise en succession de courettes et de pavillons chinois. Tout au bout se trouve le bassin des ablutions et la salle de prière. En sortant de la mosquée, nous sommes dans la vieille ville, construite derrière les remparts, sur une base rectangulaire quadrillée de rues. Les rues sont très animées, bordées de nombreux commerces et rôtisseries typiques. La tour du tambour 1380 marque l'entrée du quartier musulman. Cette ethnie était composée de marchands sédentaires, installés dans tout l'empire du milieu. Une grande communauté vivait à Xi'an, point de départ et d'arrivée de la route de la soie. La tour de la cloche, 1582, servait à indiquer l'heure à la population. «
Nous quittons Xi'an, nous allons à l'aéroport, direction Hangzhou. Après 2 heures de vol, nous arrivons à Hangzhou en soirée. Hangzhou est la capitale de la province du Zhejiang. La ville est située au fond d'une baie, à 200 km au sud-ouest de Shanghai. Sa population est estimée à 6 millions d'habitants. Elle a été fondée il y a plus de 2200 ans, pendant le règne des Qin. Elle fut capitale de la Chine sous les Song du Sud, entre 1127 et 1279. La ville ancienne, construite au bord du célèbre lac de l'Ouest, attire de nombreux touristes. Elle bénéficie d'un climat subtropical de mousson avec 4 saisons différentes. Depuis notre restaurant, nous assistons à un début d'incendie et au déploiement des voitures de pompiers. Le dimanche 24 mai, nous roulons en direction du lac de l'Ouest. Il couvre une surface totale de 6 km². Sa circonférence est de 15 km. Sa profondeur moyenne de 2 mètres. Le lac est alimenté par 4 rivières. Son paysage enchanteur change au gré des saisons, des conditions climatiques et des heures. Et ses rivages paisibles ont inspiré bon nombre de poètes et de peintres, mais aussi de légendes. Les rives du lac de l'Ouest sont bordées de belles pagodes, comme la pagode des 6 harmonies ou la pagode Leifeng. Le lac est réputé pour ses ponts élégants, ses pavillons, ses collines environnantes et ses îlots. Il a inspiré la légende du serpent blanc. C'est l'histoire d'amour tragique entre un homme, Zhu Xian, et serpent blanc qui a pris forme humaine sous les traits d'une très belle jeune femme. Il existe plusieurs versions de cette histoire. La forme primitive semble être la rencontre sous la dynastie Song d'une belle et riche jeune femme accompagnée de sa servante avec un modeste herboriste. Il l'épouse et elle l'aide à faire prospérer son commerce, mais un religieux l'avertit que sa femme est un génie serpent. Malgré la réticence du mari, il la démasque et l'emprisonne définitivement sous les fondations d'une pagode pour l'empêcher de nuire. Le parc Huakang, sur la rive du lac, agrémenté de nombreuses fleurs et de très beaux arbres, est très romantique. Cet îlot de verdure était autrefois le jardin privé d'un membre de la cour impériale. Son étang de poissons contient plus de 1000 carpes rouges affamées. Désormais, le jardin de 21 hectares est ouvert au public. Les Chinois aiment y venir se reposer ou se promener. Hangzhou est l'une des 2 villes de Chine avec Suzhou, considérée comme le paradis sur terre. Marco Polo l'a décrite comme la plus fascinante ville du monde. Nous allons visiter le temple Ligin. Avant d'arriver au temple, une porte marque l'entrée d'un parc et de jardins sauvages accrochés à une colline. Sur les parois de la colline, en plein air,
sont sculptées de nombreuses représentations bouddhistes, directement dans la roche. Des grottes dans les rochers sont également sculptées de représentations de Bouddha. Parmi ces 335 statues, les plus anciennes datent d'il y a plus de 1500 ans. La statue du Bouddha Maitreya, avec un visage souriant et un ventre rebondi, est la plus imposante. Le temple bouddhiste Ligin est l'un des temples les plus grands et les plus prospères de toute la Chine. C'est un lieu de pèlerinage réputé. Il a été fondé en l'an 326 par le moine Hui Li. Selon une légende, un moine indien voulait construire un temple dans la montagne. Ici, le paysage ressemblant à celui d'une petite colline du pays de Bouddha, il pensa que cette colline avait volé jusqu'à cet endroit. Il l'appela le pic Fellay ou pic volant. Nous roulons en direction d'une plantation de thé située à Longxin, petit village à 20 km de Hangzhou, perché sur le haut d'une montagne surplombant le lac de l'Ouest. Souvent plongé dans le brouillard et arrosé par des pluies abondantes, Longxin offre les conditions idéales pour les plantations de théiers dont l'histoire remonte à plus de 1200 ans. La plantation de thé est composée de petits arbres de 1,50 m de haut à feuilles persistantes. Les petites feuilles tendres et les bourgeons sont récoltées et séchées à la main. Ces feuilles soyeuses et complètement aplaties sont récoltées 3 à 4 fois par an pendant une dizaine de jours. Le meilleur thé provient de la récolte des bourgeons au printemps. Les théiers sont taillés, façonnés par la main de l'homme et exploités pendant une cinquantaine d'années. Le thé de Longxin, ou thé du puits du dragon, est considéré comme le meilleur thé de Chine. D'après les Chinois, le thé vert a des vertus médicinales multiples. De retour à Hangzhou, sur la route au bord du lac, nous apercevons la pagode Leifeng datant du Xe siècle. La ville de Hangzhou est une station balnéaire et résidentielle avec de nombreux salons de thé, restaurants et beaucoup de touristes. Le soir, nous assistons à un magnifique spectacle son et lumière sur le lac de l'Ouest, d'après la légende du serpent blanc. Le réalisateur Zhang Yimou a mis en scène l'ouverture des Jeux Olympiques de 2008, ainsi que plusieurs films comme Épouse et concubine ou Le secret des poignards volants. La musique est du compositeur japonais Kitaro, la chanteuse est Jeanne Zhang, la pièce est interprétée par 150 acteurs. Chant, 写我。
Le lundi 25 mai, nous partons pour Suzhou, en traversant un des plus grands fleuves de Chine, le Yangtze-Kiang. Suzhou est une ville de 2 millions d'habitants, située dans la province du Jiangsu, à une centaine de kilomètres de Shanghai. Nous visitons le jardin du maître des filets, le plus petit des jardins privés de Suzhou, mais aussi celui dont on dit qu'il est le plus joli. L'ambiance des jardins classiques de Suzhou est très reposante. Ils étaient autrefois habités par des lettrés et des hauts fonctionnaires. Un grand bassin entouré de galeries constitue le cœur du jardin. Plusieurs petites cours se succèdent. Elles sont ornées de rochers érodés, de petits ponts, mais aussi d'arbres parfois centenaires. Un arbre aurait 900 ans comme le jardin. Des kiosques se reflètent dans le bassin central. Suzhou compte environ 170 jardins, dont une douzaine a été restaurée. Le plus grand couvre 20 hectares et le plus petit à peine un demi. Les écrits de Marco Polo concernant la ville de Suzhou et ses habitants sont pleins d'admiration. Il mentionne l'excellence des artistes qui s'emploient à créer les jardins et les palais. En arrivant au musée de la soie, nous voyons des mûriers aux feuilles tendres cultivés pour nourrir les vers à soie. Le ver à soie provient de l'œuf du bombyx du mûrier. Au cours de sa vie, qui dure environ 40 jours, le ver à soie changera 4 fois de peau et verra son poids multiplié par 10 000, car il a un appétit vorace. Puis il s'enferme dans un cocon, il se transforme en chrysalide. 10 jours plus tard, il devient papillon. Les cocons sont récupérés avant que le papillon soit prêt à éclore. Puis ils sont triés, ébouillantés, avant d'être dévidés pour faire des bobines. Chaque cocon peut fournir 1,5 km de fil. Il faut environ 11 kg de cocons frais pour obtenir 1 kg de soie filée. Une légende raconte qu'une princesse prenait le thé dans le jardin de son palais, à l'ombre d'un mûrier. Un cocon de ver à soie tomba dans sa tasse. Elle voulut l'attraper, mais il se déroula. Elle venait ainsi de découvrir le fil de soie. La Chine a commencé à commercialiser sa production de soie auprès des pays étrangers par la célèbre route de la soie. Dès le VIe siècle, Suzhou s'enrichit de façon extraordinaire grâce à ce commerce. Dans un atelier, des ouvrières confectionnent des couettes légères et chaudes, garnies de soie. «
Nous partons visiter le jardin de la politique des simples ou jardin de l'humble administrateur, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 8 jardins de Suzhou sont classés par l'UNESCO. D'une superficie de 5 hectares, le jardin de la politique des simples fut aménagé au XVIe siècle par un haut fonctionnaire déchu. L'eau couvre un tiers du jardin, créant autour de chaque bassin un univers miniature avec la faune et la flore correspondante. À Suzhou, l'aménagement des jardins date du VIe siècle avant Jésus-Christ. L'art du jardin paysager a connu son apogée sous les Ming et les Qing, du XIVe au XXe siècle. Il fut influencé par la littérature et la peinture traditionnelle, surtout par celle des paysagistes de la dynastie des Tang et de celle des Song du 7e au 13e siècle. Le jardin de la politique des simples est divisé en 3 parties. Pour accéder au jardin de l'ouest, il faut passer sous une porte circulaire qui symbolise la lune par sa rondeur. Un jardin de bonsaï regroupe quelques 700 espèces, le plus vieux aurait 300 ans. Dans les jardins chinois, les pavillons et les kiosques ont des noms poétiques. Ils sont ornés d'inscriptions calligraphiques, textes de pensées philosophiques ou de poèmes. Rien n'est laissé au hasard. Les sculptures, le décor, la disposition des rocailles, le choix des fleurs, des arbres et des meubles en bois précieux, tout a une signification philosophique ou religieuse. Des canards mandarins, symbole de la fidélité conjugale, ornent les bassins. Suzhou est aussi la cité de l'eau. 35 km de canaux sillonnent la ville.